Voilà, c'est le Stade Abidjan rouge et blanc qui donne le coup d'envoi de ce match en surnombre. On rappelle qu'au match aller, il y a eu un but partout entre ces deux équipes, et l'équipe de Issy Hawazi en blanc a l'obligation de victoire cet après-midi, ou en fait en cette fin de soirée, pour essayer de reprendre son fauteuil de leader. Voilà un peu les enjeux de ce match entre ces deux équipes, et pour l'instant c'est le Stade Abidjan qui va essayer de repartir depuis sa base arrière. Le premier centre de ce match est à l'actif du Stade Abidjan. Attention, ouh, ça va terminer. Et le gardien qui va se trouver une deuxième fois. L'attaquant qui est trop gourmand, qui va frapper ce ballon qui s'envole au-dessus des buts du portier de Issy Hawazi. En tout cas, chaud à l'aide dans le camp de l'équipe de Issy Hawazi. C'est match de la deuxième division ivoirienne. Attention, dans le dos de la défense. Begba, attention. Et ça passera à côté. Très belle réaction là. Bonsoir qui a essayé de se frayer un chemin dans la défense. Attention, c'est le Stade Abidjan qui va se faire peur avec cette occasion. L'intervention de Amadou Konaté. Ils reprennent ce fauteuil de leader. Le Stade Abidjan, attention, dans la surface de réparation, la frappe. Et c'est l'ouverture du score. Ici, on soit de Robert Jean-Pro de Macori. Et cette lourde frappe de l'attaquant et de Soabou. Ça fait son quatrième but de la saison. Donc le coup de l'adversaire. Puis cette seconde mi-temps, les deux équipes voudront forcément donc démontrer que les 15 minutes de récréation ont été mises à profit pour essayer donc de faire des réglages. Et puis, attention avec cette frappe dans la surface de réparation. Première chaud à l'aide signée de l'attaque de cette. Pendant que Issia est dans la surface, Issia